c'est pas ma première mise à l'eau, il y a toujours, c'est toujours des moments assez forts. Mine de rien, il y a toujours un petit peu de stress parce que c'est pas sa position naturelle au bateau d'être suspendu à un croc de grue. Et puis en même temps, en plus, ça concrétise un petit peu tout ce sur quoi on travaille depuis 2 mois. Donc voilà, le bateau est dans son élément. On a acheté ce bateau parce qu'on sait qu'il est fiable, il faut vraiment s'appuyer là-dessus, donc c'est pas le moment de transformer et de réinventer la poudre. Il vaut mieux mettre le bateau tôt à l'eau et aller naviguer. Enthousiasmant, c'est pour nous un projet ambitieux qui est porteur de valeur, qui mobilise toute l'entreprise et on espère aller loin avec Jérémy. Ravi pour ce beau bateau, pour tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'on lui a donné. Et moi, je suis ravi que ce soit aussi Jérémy qui le reprenne. Je pense que ça fait partie des très bons bateaux sur le marché de l'occasion pour le prochain Vendée Globe. Et donc, autant que ce soit un gars qui a tout le talent et l'énergie nécessaire et suffisante pour faire un beau Vendée.